Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon réveillon, que vous avez bien profité de vos proches, de votre famille pour Noël. Voilà, j'ai complètement disparu des réseaux sociaux, j'ai plus de story carrément. Mais c'est parce que vraiment je voulais profiter de ma famille, de ma belle famille, je voulais qu'on profite de ces moments. Pour moi, c'est des moments importants, on habite à Dubaï, donc voilà, le fait de rentrer, puis même de pouvoir faire les fêtes tous ensemble, c'était un moment auquel je tenais vraiment à vivre et pas forcément à snapper, donc ouais, j'espère que vous comprendrez. En tout cas, je me suis régalée, on a passé un super moment, une trop bonne fête, j'espère que vous, c'est pareil, que ça vous a fait du bien de retrouver vos proches. Et là, c'est mon anniversaire aujourd'hui, donc on a fait un petit anniversaire, c'est pas un gros anniversaire, c'est juste comme ça, c'était juste histoire de marquer le coup, mais bon, après les 30 ans, t'as plus trop envie de fêter ton anniversaire, je crois. Et voilà, en tout cas, je suis trop contente, je passe de trop bons moments et voilà. Et désolée de pas avoir fait trop de stories, mais je kiffe trop en famille, avec mes amis, mes proches. Aujourd'hui, je vais un peu plus vous montrer, j'ai mes copains, ils sont arrivés. Bon, merci à Linda aussi, parce que je lui ai dit oui, je veux faire mon anniversaire, mais je veux un tout petit truc. Je veux vraiment, je veux pas un gros truc. La pauvre, elle m'a dit non, mais je veux te faire des petits ballons. Donc voilà, elle m'a fait des petits ballons. Merci Linda avec marqué Happy Birthday. C'est trop mignon. Merci à Tata Poulette aussi qui m'a fait mon petit gâteau avec mes petites sucettes pour mon anniversaire. Voilà, c'est trop joli. On a retrouvé un homme très malheureux. Voilà, il n'y a pas sa femme. Ça va aller. Non, non mais, ça va. On est là. Je me taille les veines, je me manque. Bon, lui toujours célibataire, voilà. Et toujours mais aussi toujours dans le bendo. Voilà mon papa. Il y a encore quelques invités qui arrivent, mais c'est un petit anniversaire. Célibataire, oh, mais à vie célibataire. Non, oui. Qui père. Mon père. Aujourd'hui. Alors papa, ça fait quoi d'avoir une fille de 31 ans? 31 cochons, c'est bien. Ouais. Mais c'est super. Ça passe vite, hein. C'est magnifique. Ouais. Et avec un gendre comme il y a aussi, c'est parfait. Ton gendre? Et un petit-fils qui est parfait aussi. T'es content dans ta vie? Ah oui, super. Parce que moi, tu sais que mes abonnés, tous les gens qui me suivent, ils t'adorent. Ils me disent j'aime. Je sais pas, mais il y en a quelques-uns qui m'ont reconnu. Ah, t'es par rapport à ta faute. Et t'es content qu'on te reconnaisse? Content, bon, c'est gentil. Mais par rapport à ta faute. Mais t'es content quand même? Je suis content. Vous pouvez aller voir mon papa, il est très content. Papa, t'as quel âge? T'as quel âge? 68 ans. Bientôt, au mois de juillet. Bientôt. Mon père, à chaque fois, me demande quel âge il a ton papa. Ben, il a 68 ans, voilà. Au mois de juillet. Donc, ça va, t'es pas encore aux 70 quand même. T'as pas le vieillard, c'est comme ça. Oui, mais t'as un peu 20 ans quand même. Là, t'as 20 ans quand on te regarde. Non, quand même pas, faut pas abuser. 30 alors. Bah, si tu veux, allez, 30. Mon papa, il a 30 ans. Oh, il y a maman. Oh, il y a maman, on a fini. Allez, viens porter là-bas la maman. Oh, il y a maman. Bol, il t'a dit bol.